moi qui ai l'habitude justement de faire ce genre d'exercice. Avant, quoi, dans la moto, tu bosses énormément les jambes. Et là, travailler, je dirais, psychologiquement, c'est de donner un ordre. C'est comme si, ouais, l'exemple que je prends souvent, c'est comme si tu essayais de regarder un verre et d'essayer de le lever avec la pensée, quoi. Et ce qui est difficile, c'est de le faire pendant 3 mois et d'avoir des progrès non visibles à l'œil nu, quoi. Il n'y a que la machine qui arrive à détecter qu'il y a une progression. Après, il y en a toujours qui disent « Ouais, mais pourquoi préserver ton corps si de toute façon, tu ne remarcheras pas ?» Ouais. Ça, je leur laisse leur opinion, mais moi, en tout cas, je suis content de voir mes jambes, je dirais, entretenues, préservées. Pour moi, c'est super important, quoi. Parce qu'à ce moment-là, si tes jambes te servent à rien et que tu veux pas t'en occuper, coupe-les, quoi. Pourquoi tu t'embêtes avec les jambes? Va au bout de ton raisonnement, quoi. Toi, les jambes. Ok, je l'appelle quand tu viens et puis on regarde pour lui. Alors, tu peux donner le feu vert, donc c'est top. Donc, on fait comme ça et puis moi, je t'appelle demain quand je viens et puis comme ça, on en discute un peu. Ouais. Mercredi, ouais. Mercredi. Ouais, au top. Ok? Ça va demain, au top, merci. Ciao. Merci. Au top. Allez, comme ça, on se rapporte. C'est cool. Ça va trop vite ou... Ça va. Ah, tu veux faire la course, non? T'inquiète, de toute façon, c'est toi qui gagne. Ouais. J'ai pas envie que ce soit... Peut-être envoyer des posters d'avant et comme s'il n'y a rien qui a échangé. Je pense que c'est important justement que le fan ou que la personne qui me demande des photos voit une différence entre avant et maintenant. Parce qu'il y a une différence, quoi. Tu le veuilles ou pas, je veux dire, ça a changé, quoi. T'es plus pilote, quoi. T'es autre chose. Tu sais pas encore ce que t'es, parce que c'est vrai que c'est dur de trouver en fait. Ça te fait quoi de voir que certains évoluent et progressent et toi non? Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que... en fait, ça dépend. Ça dépend dans le sens où... Dans le sens où si tu bosses et tu progresses, moi je suis super content pour toi, quoi. Mais il y a des gens qui font rien, quoi. Qui font le strict minimum. Même pas le strict minimum, qui font rien, quoi. Et tous les jours, ils évoluent dans leur corps, quoi. Ça arrive. T'as intérêt à vouloir marcher. Bah ouais, tu vois. Sinon... Très chaud. Ah, t'as déjà beaucoup fait, là. Non, ça me fait pas peur dans la maison. Baba. Mais je m'attends à prendre vraiment plein la gueule, quoi. Encore et encore et encore pendant un bon moment. Ça fait partie de la vie. Je veux pas dire que ça fait partie de l'handicap ou de la paraplégie. Ça fait partie de la vie, quoi. Tu te prends des baffes un peu plus facilement, quoi. Mais bon, tu veux dire, faut passer par là et puis t'avances et puis tu continues ton truc, quoi. Il y a pire que la paraplégie dans la vie aussi, quoi. Donc voilà, on avance. Autre chose.